fait référence à l'affiche du film La Grande Vadrouille, du coup. On a remis ça qui était sur l'affiche du film, et après on a rajouté des personnages, enfin nous en arrière-plan. Quoi. Le pourquoi du comment de ce tournage, c'est avant tout une volonté que ce soit un hommage à Louis de Funès et à La Grande Vadrouille qui a été tournée ici, même pas à 5 km d'ici. Et du coup, on a fait une randonnée, on est allé voir les épaves du tournage de La Grande Vadrouille qui sont toujours là. Et on avait très envie, parce qu'on adore Louis de Funès, de mélanger un petit peu tous les univers cinématographiques qui nous ont bercés étant jeunes, à la fois pour faire un hommage et à la fois pour le faire découvrir aux enfants aujourd'hui qui n'avaient pas forcément vu La Grande Vadrouille. Je rencontrais les résistants. Et tu vas les aider ou... Oui. Moi j'aime bien parce qu'avec Nathan, on a tourné une scène marrant le deuxième jour. Alors je t'explique, moi ça fait 5 ans que mon cinquième été, je suis animateur au foyer rural. Et donc les premiers films, il y avait que les enfants qui faisaient des rôles. Et nous, à côté, en tant qu'animateur, on faisait des animations, on se déguisait. Et un jour, ils sont venus me dire, mais tu voudrais pas être dans le film ? Et moi, je me suis laissé convaincre, et depuis, voilà. Ils ont réussi à me faire croire que j'étais acteur. Allez, on y va ! Ce qui est une grande escroquerie. Attends. T'avais coupé, Étienne, ou pas ? Je coupe, moi, ou pas ? C'est la vraie vérité. Allez, on va continuer. Balance, mais ici, c'est la base militaire allemande, là où les prisonniers se sont fait arrêter. Action ! C'est moi ! Aaron, qu'est-ce que tu fais là ? Bon allez, je vous expliquerai plus tard, vite ! Ok, coupé, on voit les gens derrière. C'est pas grave. Allez, on peut fermer la porte pour avoir... Mais là, ils vont en chambre. C'est les vacances, moi. Elle, mets-toi en position pour voir juste... Ouais, mais ils m'ont dit, je partais le plus loin, non ? Ouais, mais tu t'y livres après. Juste pour voir la position finale. Ouais. Il faut que vous sortiez. C'est bon, là ? Il faut que vous sortiez. Oui. Merci. Avec plaisir. Tu veux le faire ? Oui, je veux le faire. Allez, fais-le. Attends, on va voir. Donc, en gros, c'est l'histoire, c'est la guerre. Il y a des enfants, ils vont monter dans un lit à baldaquin. Ils vont faire un bond dans le temps jusqu'en 2021. Et donc, du coup, ils arrivent dans un camp scout. Les gens du scout, donc, ils les découvrent, ils parlent et ils se disent « Oui, nous, on vient du passé. » Donc, du coup, il y a le chef des scouts. Il va dire « Oui, c'est ça, vous venez du passé. » Donc, il va dans le lit, sauf que par accident, il arrive en 1944. Et donc du coup tout le monde décide d'aller le sauver. On va sauver l'animateur en 1944 tous ensemble. Et voilà. Et c'est parti pour la petite vadrouille. Mmh. Ouais, c'est ça. Et les enfants c'est des résistants qui fuient les Allemands et tout. Et on les au début il y a une attaque allemande au village. Il y a une fusillade. Et il y a une grosse fusillade et tous les enfants résistants ils sont cachés par le curé du village. On va chez un scientifique fou qui a mis au point une machine à remonter le temps. Du coup c'est un lit à baldaquin. On monte tous dedans. Et on ferme, il y a eu un problème avec le réglage, c'est un peu comme dans Retour vers le futur. Et on se retrouve en 2021. Et du coup, on rencontre des enfants et on se lie d'amitié avec eux. Et le chef scout, il se fait capturer par les Allemands. On va libérer la pêche. Mais la pêche, je ne pourrais pas le prendre. Ok. Je peux prendre que le tandem et le petit rouge si jamais tu n'en sers plus. Celui-là, là ? Ouais. J'avais bien envie de le garder. Le miel, il rentre ou pas ? Non. Là, tout ça, ça va être le décor de l'auberge. Donc, les tables de bistrot. Ça, c'est le père de Jean-Charles. C'est un antiquaire, donc c'est pour ça aussi qu'on a des beaux objets. Ça, c'est mes grands-parents. Ici, du coup, on est vraiment costume d'époque, armurerie, réplique, du coup, des casques. Là, c'est monsieur Tadei qui habite au Besson. En Lozère, qui nous les a prêtés, qui est conservateur et qui nous a gentiment prêté tout ça. Les armes, c'est des copains qui font du airsoft et ils mélangent guerre apocalyptique avec des zombies et soldats allemands. Donc ils avaient quand même pas mal de trucs comme ça qui sont des répliques, tu vois, c'est du bâton mais c'est bien fait quoi. Ça, c'est un Sten anglais. Donc ça, c'est parfait pour.
pour 38-45, l'époque où on tourne le film. Nickel, lâche tes mains. D'accord. Ouvre. Parfait. Parfait. Mais regarde pas trop en bas. Regarde au niveau de ici, de mon plexus. Après, je peux me baisser moi aussi. Hein. Non, ou alors baisse-toi. Si tu me le dis, je le fais comme ça. Fais le cadre que tu préfères, Louise. Oh, les chamois ! Vous êtes où ? Alors, ça s'étale sur 3 semaines. C'est, au niveau technique, on est 8-10. Et il y a 40 enfants. Et si on rajoute les bénévoles, les parents qui nous aident et qui jouent, je pense qu'on est à peu près 70-80 personnes mobilisées sur ce tournage sur 3 semaines. Et la projection aura lieu le 28 août prochain, le soir, à 21h. Nickel. Et donc, je répète la consigne, de grands signes, de grands gestes. On saute de joie, on crie, on est heureux. Action! Top chapeau! C'est magnifique! Avec le chant, c'est magnifique. Regarde, la fin est trop belle. Les nuages et tout là. La lumière est parfaite. Légèrement, c'est. Action!